Voilà. Donc c'est Biya qui cultive ça. Le tribalisme d'État. Oui, c'est lui qui le cultive. Le fait que, écoutez, il n'y a pas longtemps, je faisais des chroniques et un jour, je suis allé voir des amis qui ont été arrêtés. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulou. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulous. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulou. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulou. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégien. Le collégien est boulou. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Ou dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc, qui a fait ça? Ce sont eux. On dit par exemple que c'est Maurice Kamto qui a commencé le tribal, qui a relancé le tribalisme en ayant parlé devant le Conseil constitutionnel, en posant la question de savoir s'il y a un concours pour passer pour être boulou et qu'il ferait cela. On s'est appuyé dessus pour dire que c'est lui et son parti politique, que d'aucuns estiment être un parti politique de Bamileke, d'avoir relancé l'affaire du tribalisme. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un parti de Bamileke. Je suis à l'UPC, on a eu des maquis à l'ouest, comme on a eu des maquis en Pays Bassa. Donc, personne ne peut gagner une élection en disant que je suis le parti des Bamileke. Vous allez vous aliéner toute la communauté nationale. Oui. Donc, s'il l'a fait, c'est un peu maladroit. Maintenant, il y a. Kamto n'est pas un homme politique. Hein. C'est pas par hasard qu'il n'a pas fait les plateaux, il n'a pas fait des débats, des choses comme ça. Donc, il y a des maladresses qu'on ne peut pas, qu'on peut éviter. Maintenant, ceux qui l'ont repris, ils savent pertinemment que c'est ça la réalité. Oui. Vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle au boulot. Vous allez à la CNPS. À Garoua, tout le monde parle au boulot. Et les petits de l'extrême nord, eux, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village, et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par un Oui, exemple d'un oui, ministre. oui, allez-y. Le ministre, là, on se retrouve à un cocktail, et puis, bon, moi, je me méfie, je parle pas beaucoup, et puis il vient me voir et me dit, Henriette, tu sais, on est conscient qu'on fait du mal à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le pays est quadrillé par les villages. Et donc, C'est le ministre qui vous dit cela. le ministre me dit ça. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire que Henriette Ekoué a lancé une fatwa contre les Boulous. Non! Ce sont mes frères. Mais c'est pas la peine de faire un régime où on sélectionne, et c'est pas nous, les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de l'État. Or, le Cameroun n'a jamais été comme ça. Et ça, c'est la première fois que moi je vois ça, que vous entrez dans un bureau de l'administration, tout le monde parle la langue du président. Où sont les Maguida? Où sont les Bassa? Où sont les autres? Ce n'est pas normal. Je vous termine, je voulais terminer en Oui. donnant cet exemple. Un ami ministre me dit comme ça, et il dit alors, tu es encore en campagne. Il me dit, Henriette, je sais que dans ma région, on n'aime pas le pouvoir. Et pour des raisons évidentes, on est complètement enclavé.
quand l'élection arrive, on met deux engins, nous commençons à faire du bruit, on dit voilà la route qui arrive, dès que l'élection passe, on retire les engins, etc. Mais, comment je fais? Je viens voir mes compatriotes régulièrement, j'apporte à manger, j'envoie la boisson régulièrement, tous les 15 jours je viens. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, si vous ne m'élisez pas mon candidat là, Paul Biya, je suis foutu. Et je ne pourrais plus vous apporter à manger. Ils se disent, bon, on est résolu. Bon, au moins ça. Bon, allez, on continue à nous amener à manger. C'est comme ça qu'il arrive à dérider certaines personnes qui sont totalement hermétiques. Mais tout le pays est contre le régime. Le pays est enclavé, on est dans les dettes tous les matins, même pour acheter une brouette, on va demander l'argent ailleurs. Ça, c'est quel pays ?